bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je le commence un petit peu tardivement parce que nous sommes mardi 17 août. Là, on revient avec Gauthier d'une promenade photo. Vous voyez, là, j'ai encore mon cabas, mon petit tote bag, plein de livres. On a profité qu'il était là et que j'étais en repos pour aller se promener, en profiter pour faire des photos. On a fait pareil hier soir, comme ça, en fait, ça me fait plein de photos prises d'un coup avec des tenues différentes d'un jour à l'autre. Comme ça, j'en ai plusieurs d'avance et quand j'ai besoin de poster une photo, je peux le faire immédiatement. Donc hier je vous ai pas pris parce que déjà le matin j'avais une flémingite aiguë, je me suis reposée puis ensuite j'ai préparé un petit peu les repas pour la semaine comme on travaille et j'ai géré un petit peu tout ce qui était montage, tournage, plein de choses pour les vidéos pour la chaîne. Aujourd'hui je vous prends tardivement mais ce matin j'ai beaucoup lu, j'avais pas envie de faire grand chose d'autre parce que je suis dans, je vais vous montrer ça, je me penche juste pour l'attraper. Creation City de Sarah J. Maas. Comment dire que je suis complètement folle de cette lecture. J'en suis à 50%. Donc il fait 955 pages si je vous dis pas de bêtises. Donc dans cette histoire nous suivons Bryce. Bryce est mi-humaine, mi-fae. Elle vit avec sa meilleure amie Danica qui est le chef d'une meute de loups. On est dans la ville de Lunation qu'on appelle communément du Creation City. Et un jour, en fait, sa meilleure amie avec les loups vont se faire tuer par un démon. Donc Bryce va les découvrir comme ceci. Il va se passer plein d'événements. Et elle va du coup devoir corroborer avec un ange déchu qui s'appelle Hunt pour trouver qui est l'assassin de son ami, mais qui est également l'assassin de d'autres personnes qui ont également des pouvoirs magiques. Il y a des vampires, nous avons des archanges, nous avons, enfin le monde est vraiment très riche, très intéressant. Je vous ai fait un résumé très vague, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Ici Sarah J. Maas, elle nous embarque dans une plume qui est beaucoup plus adulte que dans Akotar ou Keleana. Attention, Akotar et Keleana sont quand même du jeune adulte, mais là nous sommes vraiment dans de la grosse fantasy. Moi j'adore vraiment, elle a une plume, elle a un style qui est délectable, qui est addictif. Malgré la complexité des phrases, malgré l'univers, il n'y a aucun moment où je m'ennuie, je me laisse embarquer. Et il y a un petit côté thriller avec le fantastique. Moi qui ne suis pas très thriller, le fantastique fait que le côté thriller passe tout seul. Il y a un petit côté romantésie, il y a des intrigues familiales, il y a des complots politiques, il y a la découverte d'un monde. Nous sommes également dans un monde beaucoup plus avancé que le nôtre. Enfin, je m'éclate, je passe un excellent moment. Le livre est magnifique, même si je vous avoue que je le lis en grosse partie en numérique, même s'il y a des moments où je passe sur le papier, parce que il pèse hein, quand même. Hein. Pour faire un assassinat, je pense qu'il y a moyen, en tapant bien fort dans la nuque. Attention, ce n'est pas à reproduire. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma lecture en cours. Donc c'est celle avec laquelle je vous ai quitté dans le dernier Reading Journal, mais bon c'est un beau pavé et je ne passe pas ma journée à lire, même si l'envie ne manque pas. Niveau visionnage, j'ai terminé du coup La Cuisinière de Castamar, la série que je regardais dimanche. J'ai beaucoup aimé cette série espagnole, franchement elle est tirée d'un livre et j'ai hâte de voir s'il y aura une saison 2, comment ça va se dénouer. Nous sommes en 1740 je crois, mais peut-être que je vous dis des bêtises. Nous sommes dans la royauté espagnole, nous avons des intrigues de cour, une cuisinière qui n'est pas noble mais qui est pourtant très intéressante, très intelligente. Il y a un petit style de Downton Abbey que j'ai adoré. Je savais pas trop quoi regarder et hier en préparant le repas j'ai regardé Your Name de Makoto Shinkai, qui est un animé des studios Ghibli, mais je ne suis pas sûre. Non, peut-être que je vous dis une bêtise, je sais plus. Bref, donc j'ai beaucoup aimé. Alors il y a le livre, le manga en lui-même qui existe, mais il y a aussi le film. Donc moi je n'ai jamais lu
le manga, mais par contre j'ai regardé l'anime et je me suis laissée emporter. C'était beau, c'était doux, c'était tendre. Il y avait un petit côté fantastique, surnaturel, des belles relations. Ouais, franchement, je me suis éclatée. J'ai même eu la petite larme à l'œil. Franchement, c'était vraiment, vraiment top. Donc, après, j'ai enchaîné avec la série Rebelle sur Disney+, qui est, elle, une série un peu particulière, où nous sommes un peu à la fois dans le milieu médical, mais dans le milieu des avocats. Nous suivons principalement une mère de famille qui va militer contre une entreprise qui fait des valves cardiaques, mais ces valves, eh ben, elles sont nocives pour les gens, et donc voilà, nous suivons un petit peu cette enquête-là, plus les intrigues de famille. C'était sympa, mais j'ai vu mieux. Voilà pour ce qu'il en est, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir quand j'aurai un petit peu des choses à vous dire niveau lecture, tout ça, tout ça. Et en attendant, je vous dis à très prochainement pour vous, puis à plus tard pour moi. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi. On est le combien aujourd'hui ? On est... Ah, pas de coup de langue. On est le 19 août. Je venais vous voir parce que j'ai terminé ce bébé. Je vous le montre juste là parce qu'il est tellement lourd que je ne vais pas le garder à la main. Donc voilà, j'ai enfin terminé la lecture de Crescent City. Enfin, je dis enfin, mais j'aurais aimé ne pas le terminer parce que j'ai été plongée dans un univers juste incroyable. Un univers qui m'a captivée. Sarah J. Maas, elle nous embarque dans une histoire d'urban fantasy qui est hyper originale. L'urban fantasy, c'est un genre qui m'avait assez déçue ces derniers temps parce que j'avais l'impression de toujours voir la même chose avec des vampires, des loups-garous, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes systèmes de magie qui se répètent. Et là, non, pas du tout. Donc, pour faire court, je vais vous re-résumer l'histoire. Je ne sais plus si je l'avais fait au début de ce reading journal, mais je pense que ce sera plus simple pour que vous puissiez comprendre mon avis. Donc, on suit Bryce. Bryce, c'est une jeune femme qui profite de la vie en compagnie de sa meilleure amie, Danica. Danica est chef d'une meute de loups auquel elle appartient. Et qu'est-ce qui se passe dans cette meute de loups? S'attrape un petit peu les gens qui font du mal. C'est une espèce de... comment je pourrais dire ça? De brigade policière, si vous voulez. Ils ont des missions, ils vont participer à des arrestations, des choses comme ça. Et un jour, Bryce, elle va rentrer d'une soirée où elle avait un peu trop abusé de drogue, des choses comme ça, et elle va découvrir Danica et toute la meute qui ont été décimées de manière assez atroce, où les corps sont complètement déchiquetés. Suite à ça, Bryce, elle va complètement péter un câble. On va bien sûr l'arrêter, l'interroger, tout ça, tout ça. Et elle va ressortir. Et là, 2 ans après, d'autres meurtres du même acabit ont lieu. Donc, comme Bryce avait été présente lors du premier et qu'apparemment, l'affaire concernant Danica qui est morte a un lien direct avec la nouvelle, on va lui demander de participer à la résolution de cette affaire. Donc elle n'aura pas trop le choix d'accepter puisque c'est les gouverneurs de la ville de Lunation ou Crescent City, plus communément appelée, qui va lui demander de participer à cette enquête. Donc elle va participer à cette enquête aux côtés de Hunt qui lui est un ange déchu, donc un esclave de la ville et sous la coupe de l'archange qui lui est le dirigeant. Voilà un petit peu le résumé principal. C'est bien plus complexe que ça. Il faut savoir que la ville de Lunation
Et une ville où il y a des humains, où il y a des vampires, il y a des tritons, il y a des loups, des métamorphes, des faées, des anges, des archanges et plein d'autres créatures qui sont beaucoup moins connues dans la hiérarchisation. Il y a une espèce de magie qui rentre en compte avec un sceau qui va permettre de rentrer vraiment dans le côté de l'immortalité et aussi d'obtenir vraiment le niveau de puissance. Ce niveau de puissance, il alimente la ville. Enfin, on a vraiment un univers qui est très complexe, donc j'ai apprécié cela. J'ai aimé suivre le récit, la façon dont il se découpe. Alors au début, il y a quelques lenteurs, je vous l'accorde si vous l'avez lu et tout ça, parce que Sarah J. Maas, elle va nous mettre en place l'univers, le fonctionnement de la ville avec les différentes créatures l'occupant. Mais il y a aussi les relations entre les protagonistes qui s'installent. T'es bien là, toi? Donc les relations des protagonistes s'installent, tout ça, et paf, arrive le meurtre. Suite à ça, on voit deux, trois événements qui ont lieu, on voit Bryce qui va essayer de garder la tête hors de l'eau, mais qui se plonge dans son travail, dans le lieu où elle bosse, dans les antiquités. Et on va apprendre un petit peu son origine familiale, d'où vient son côté faé, d'où vient son côté humain. Et paf, un autre meurtre a lieu du même acabit, et là on est plongé dans une enquête qui va soulever toujours, toujours et encore toujours plus de questions, qui va alimenter l'intrigue, qui va nous permettre de connaître les protagonistes, d'approfondir les différentes relations qu'il y a entre eux. Et une fois que on a passé ce cap-là, la fin c'est un melting pot d'action, de révélations, et là j'avais le cœur qui palpitait, j'arrivais pas à m'arrêter hier soir, mais impossible. J'étais dans un état de fatigue extrême. On n'est pas allé à la salle de sport puisque je suis à rentrer du boulot complètement ravagée. J'arrivais pas à aligner deux mots, mais je n'arrivais pas à quitter ma lecture. Impossible, impossible. J'en ai même rêvé cette nuit et je n'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 2, mais je crois que Sarah J. Maas n'a pas encore terminé de l'écrire. Et donc, il va y avoir un petit moment avant qu'il soit traduit, malheureusement pour nous. Mais où est-il, bon, mon chien? Vous ne le voyez pas, mais là, il se fait cajoler. Attends. Oui, t'es pas dans le champ de la caméra, mon loulou. Oui, non. Bon, il veut rester couché. C'est un flemmard. Il préfère les gratouilles sur le ventre. Donc voilà un petit peu pour Crescent City. Je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année. Nous sommes vraiment dans de la fantasy adulte avec un côté thriller qui est bien présent. Moi qui ne suis pas trop thriller, là c'est passé tout seul parce que il y a l'univers de fantasy qui prend le dessus sur le tout, quoi. Et j'ai vraiment aimé découvrir les relations entre les différentes castes de créatures. J'ai aimé apprendre beaucoup de choses sur les intrigues familiales. De plus, le récit va soulever des thèmes quand même assez sombres au travers de cette histoire, au travers du vécu des personnages. On va parler du deuil, on va parler de trafic de drogue, on va parler de politique, de toutes les machinations, de comment est gérée la ville dans l'univers dans lequel on est, en fonction de l'année où on se trouve. On va parler de beaucoup, beaucoup de choses qui sont également d'actualité, comme la pauvreté, comme le fait que finalement c'est toujours les plus riches qui sont les mieux protégés, plein de choses comme ça, avec des sujets très très sensibles. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cela, ça porte à la réflexion. Et les personnages, ils sont bien développés au niveau psychologique, les choses se font pas en un claquement de doigts, les choses se mettent en place doucement. Bon, par contre, comme on est dans de la fantaisie, comme il y a beaucoup de choses qui sont mises en place de façon assez violente, forcément il y a de la vulgarisation, donc il y a des mots qui sont assez crus, des scènes qui sont assez explicites, mais bon, ça c'est courant. Quand on lit du George R. Martin, on a exactement le même problème, mais pour moi c'est pas un problème parce que justement c'est ce qui fait la richesse et la réalité du récit, du fait que les choses ne soient pas trop édulcorées. Voilà, bon, bref, je vais arrêter de papoter sur Crescent City, puisque je pourrais encore en parler et en parler. Je me suis vraiment laissée envoûter par ce récit. Et je vais commencer d'autres lectures et je reviendrai vous en parler à ce moment-là.
Hey, je vous retrouve en ce vendredi 20 août. Donc là, je garde mon écouteur, je vais voir ce que donne le son en passant par l'écouteur parce que d'habitude, je mets micro-cravate et tout ça, vu que pour les vlogs, je filme avec le téléphone et non avec ma caméra. C'est un côté un peu plus pratique et puis je peux vous prendre un peu plus spontanément qu'avec la caméra. Avec la caméra, c'est un peu moins spontané parce qu'il faut que je passe beaucoup de temps à installer, à régler, tout ça. Donc si le son est pas trop mauvais avec l'oreillette, ce sera quand même un peu plus sympa à écouter, on verra ce que ça donne. Donc je venais vous parler lecture parce que bah, après que j'ai terminé Crescent City, j'ai lu le tome 11 de Princesse Sarah, Audrey Alouette, Moretti et Duclos. Donc bon, est-ce que c'est utile que je vous refasse le résumé du tome 1, tout ça? Je ne pense pas, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, ben je vous invite à aller voir bah, mes points lecture parce que j'en ai fait un paquet où je parle de cette bande dessinée. Ça évitera que je me répète pour ceux qui suivent toutes les vidéos, puisque bon, au bout d'un moment, je pense que c'est un petit peu usant. Donc dans ce tome 11, suite aux péripéties qu'il y a eu dans le tome 10, bon bah nous avons Sarah et James qui se retrouvent dans un pétrin sans nom. Ils vont tout faire pour essayer de s'en sortir. Et de l'autre côté, nous allons suivre les amis de Sarah qui vont mener l'enquête afin bah, de pouvoir sauver leurs amis. Voilà, je n'en dirai pas plus concernant le résumé. Donc nous avons un opus qui est beaucoup plus dans l'action, un peu moins dans la psychologie. Je vous avoue que même si j'ai passé un agréable moment, ce n'est pas mon tome préféré. Après, j'ai beaucoup aimé voir James, ce personnage qui était très effacé au milieu de toutes ces femmes dans l'histoire, être enfin mise un peu plus en avant, montrer ses capacités, tout ça. Donc cet aspect-là, bah, ça m'a pas mal plu. Ensuite, bon, bah, j'ai aimé voir les liens d'amitié qui se créent entre les autres protagonistes sans qu'il y ait Sarah au milieu. Ça permet vraiment de voir bah, que ce sont des choses assez fortes qui les unissent. Je me suis délectée du graphisme comme à chaque fois. Et bah, j'ai passé un excellent moment. Puis on a un cliffhanger de fin qui est, lui, assez tentant et qui donne envie d'en savoir plus. C'est très difficile de vous parler de la bande dessinée en question parce que bah, comme c'est un tome 11, je peux pas évoquer plein de choses pour risque de spoiler. Mais en tout cas, bon, bah, ça reste quand même ma série de bande dessinée préférée, que ce soit au niveau graphique, scénaristique, tout ça, j'adore. Ensuite, j'ai commencé, du coup, j'en suis au tout début, le premier tome de London and Shay de Brittany Sicherii. Donc, c'est le spin-off de Eleanor and Grey qui se trouve un peu plus haut. Bon, bah, vous savez à quel point j'aime la plume de Brittany Sicherii, à quel point elle est addictive. Donc, me plonger dans une de ses histoires, c'est toujours un plaisir fantasque. J'adore vraiment suivre ces personnages. London et Shay, c'était des personnages qu'on voyait beaucoup dans Eleanor and Grey, auxquels, bon, ils avaient une importance assez, assez minimaliste dans l'histoire, même si on avait un aperçu bah, de leur romance qui était très chaotique. Donc là, nous sommes dans ce premier tome, dans la jeunesse des personnages. Donc on va un peu comprendre pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus pour vous en dire un peu plus. Et à ce moment-là, bah, je reviendrai vous en parler. Voilà où j'en suis un petit peu dans mes lectures. J'espère avancer ce livre au maximum aujourd'hui parce que demain je travaille. Dimanche, on va aller manger chez mes parents, donc je ne sais pas trop comment j'aurai le temps de lire. Donc j'espère bien bien le lire aujourd'hui. Et puis bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vais profiter un petit peu de ma lecture avant de retourner travailler. Et puis je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve en ce samedi 21 août parce que j'ai 10 minutes devant moi avant d'aller chez la prochaine personne pour travailler. Donc je venais vous parler de mes dernières lectures, notamment une lecture audio qui
est assez moyenne. Il s'agit de Love Business de Angela Harkin, publié chez Black Ink Edition, que j'ai écouté sur Audible. Donc j'avais été très tentée par une nouvelle romance. J'aime beaucoup écouter ce genre-là en audio. Je trouve que c'est un genre qui passe vraiment tout seul. Mais celui-ci m'a totalement gênée. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire et après je vais vous dire un peu les événements qui m'ont gênée et qui sont assez moyens pour une romance, je trouve. Donc dans Love Business, nous suivons Benny et nous suivons Dylan. Benny est une riche héritière, elle travaille pour l'entreprise de sa famille, Ouais, aisé en tout point. Puis Jelan, lui, est escort boy pour le mariage de sa sœur. Elle ne veut absolument pas y aller toute seule, donc sa secrétaire va lui dénicher un rendez-vous avec Jelan. Et Jelan sera celui qui va se faire passer pour son fiancé pendant le mariage de sa sœur. Donc entre eux va y avoir une relation particulière qui va se tisser, un jeu du chat et de la souris. On ne saura pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Enfin, plein d'événements en suspens. Donc déjà, bon, en soi, une relation avec un escort boy, je m'étais dit, bon, ça peut être intéressant. Tout dépend comment c'est mené. Moi, je m'attendais à une histoire où, la vie de Jelan soit un peu plus développée, mise en avant, qu'on comprenne ses difficultés pour qu'il ait choisi de s'orienter dans ce domaine-là qui n'est pas anodin. On n'a pas eu une vie facile pour faire ça, on ne se lance pas comme ça là-dedans sans réfléchir. Et puis, non, pas du tout. En fait, c'est une histoire qui va tourner autour d'une romance qui va se tabler sur 2 jours. Du moins pendant la bonne moitié de l'histoire, 2 jours où nos protagonistes vont se tourner autour, où il y aura un jeu du chat et de la souris, des allusions et des scènes sexuelles explicites tout du long. Donc en soi, qu'il y ait des scènes de sexe, ça ne me dérange pas, mais qu'il y en ait autant, c'est plus dérangeant. En fait, l'histoire tourne vraiment autour de ça, de cette alchimie qu'il y a au niveau physique, au niveau attirance. C'est une romance qui est 100% érotique. Donc après, j'ai quand même terminé cette lecture audio, mais je vous avoue que j'ai pas osé l'écouter sans écouteurs parce que la plume d'Angela Harkin, elle est quand même fluide, elle se laisse écouter toute seule. Je m'attendais à quelque chose de plus poussé. Là, les messages que font passer l'histoire, ils ne sont pas bons, quoi. Il faut savoir que c'est pas des exemples, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont pas forcément bien. Il n'y a pas de pédagogie, en fait, je dirais. J'ai du mal à trouver mes mots pour vous en parler, mais c'est très délicat. Je vous en parle là dans ce vlog. Je pense que je n'en parlerai pas en point lecture, tout simplement parce que j'ai vraiment du mal à vous retranscrire en fait mon ressenti tout simplement. Sinon, pour parler d'une lecture un peu plus joyeuse, je suis toujours dans London Shed de Brittany Sichéry. Pour l'instant, je ne suis pas autant emballée qu'avec Eleanor and Gray. Mais nous sommes vraiment dans la jeunesse des personnages et c'est peut-être ce côté-là qui va faire que je ne m'emballe un peu moins. Alors, le premier tome est dans la jeunesse des personnages et le second tome, il me semble qu'on sera dans la vie adulte. Je pense que le second tome aura donc plus d'impact sur moi. Bon, je reviendrai vous dire tout ça. Sinon, à part ça, rien de particulier. Là, aujourd'hui, je travaille. Ce soir, on a un ami à la maison avec qui on va passer une bonne petite soirée. Et demain, on va passer la journée chez mes parents, profiter un petit peu de la piscine s'il fait beau. Et voilà. Donc, rien de particulier. Niveau série, j'ai pas avancé dans Orange. On est en train d'avancer dans la saison 4 de My Hero Academia. Et comme ça, on pourra enfin découvrir la saison 5. Donc, je reviendrai vous en parler à ce moment-là. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et puis, je vais remettre mon masque et retourner travailler un petit peu. Hey, coucou, je vous retrouve pour ce dernier jour de vlog. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 22.
J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, tout simplement parce qu'aujourd'hui on est allé chez mes parents. Et il faut savoir que la semaine passée, mes parents ont trié tous les livres qu'il y avait à la maison, tout ça. Et ils ont pour le projet de refaire une bibliothèque, mais il y avait pas mal de livres qui étaient dans des cartons, tout ça, dans le grenier. Et donc, j'ai récupéré quelques antiquités. Alors, tout d'abord, en fait, il faut savoir que, suite au manque de place et tout ça, en fait, la bibliothèque chez mes parents, elle avait été vraiment mise de côté. Et comme ils ont fait un tri, ben, ils ont mis certains livres à garder pour la prochaine bibliothèque. Et il y en a d'autres qui allaient partir dans des boîtes à livres. Et puis, il y avait encore certains de mes livres qui étaient chez eux. Donc, mes parents m'ont dit de regarder dans le tri qu'ils avaient fait un petit peu. Et donc, j'ai retrouvé deux, trois trucs. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées à mon frère ou que j'ai laissé pour des boîtes à livres puisque ça m'intéressait pas plus que ça. Puis, j'ai grandi. Mais ça m'a fait replonger dans mes souvenirs. Donc, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamine sur la 3, je me souviens, il y avait le dessin animé Sissi que j'aimais beaucoup. Du coup, j'avais le livre quand j'étais gamine. Enfin, un des livres, puisqu'il y en avait combien de tomes? Il y avait 4 tomes pour cette collection-là, si je vous dis pas de bêtises. Enfin, ouais, il y avait plusieurs tomes. Donc, c'était pour les enfants de 6 à 11 ans. Et du coup, je l'ai récupéré puisque ça me fait un chouette souvenir. Sinon, dans les livres que j'ai récupérés dans les antiquités, il y a Sigrid et les mondes perdus, L'œil de la pieuvre, qui est un récit de fantasy. C'est pareil, c'est pour les 11-12 ans généralement à peu près. C'est un récit de fantasy où on suit trois ados qui sont enfermés dans un sous-marin, ils sont coincés sous l'océan, tout ça, tout ça. On va les voir découvrir des créatures et notamment faire la connaissance d'une pieuvre qui a une incidence sur l'histoire. Je m'en rappelle plus tellement, mais je l'avais bien aimé à l'époque. Là, on va passer aux antiquités. Antiquités, c'est des livres qui ont fait un petit peu tout l'historique familial, c'est-à-dire que c'est des livres qui ont vécu déjà à l'époque de ma mère quand elle était jeune, et ainsi de suite, s'ils ne sont pas plus vieux. Donc, il y a de la Bibliothèque verte, il y a celui-ci qui est une très vieille édition de Casterman, c'est La Comtesse de Ségur, La Cabane Enchantée, c'est un récit de plusieurs petites nouvelles. Donc, il y a La Cabane Enchantée, Histoire de Blondine, enfin, il y a plusieurs nouvelles. Et j'aimais beaucoup ce petit recueil. Je sais que je l'ai lu plus d'une fois, d'ailleurs, ça sent énormément le papier vieilli, ils sont dans des états assez misérables. Mais voilà, quand je les ai vus, j'étais totalement nostalgique. Une vieille édition des Misérables de Victor Hugo. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin que je vous fasse un petit résumé. Celui-ci aussi, je l'ai pas mal poncé quand j'étais gamine. C'est Shirley, Hôtesse de l'air de Icomgal. C'est de la collection Spirale et c'est pareil, hein, c'est une très très vieille édition. Et là, on suit une hôtesse de l'air avec qui il arrive plein de problèmes. Elle a sa meilleure amie. Enfin, voilà, c'est une histoire de vie tout simplement qui était dans l'air du temps. Donc, moi j'aimais bien. Et puis j'ai trouvé celui-ci. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Je ne savais même pas qu'on l'avait dans la bibliothèque de mes parents. C'est Le Conte de la Reine des Neiges de Anderson. Donc, il fait combien de pages? C'est le compte officiel. Il fait 245 pages. Voilà, donc le compte officiel de la Reine des Neiges. Donc, si un jour l'envie me prend, je le lirai peut-être. Voilà pour ce qui est des vieilleries. J'ai récupéré deux éditions que j'ai de Jules Verne, Le Capitaine de 15 ans, le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc sous Voyage extraordinaire. C'est des très très belles éditions. J'en ai d'autres des Jules Verne qui sont dans ma bibliothèque sous cette édition-là. Moi, je les trouve vraiment très très belles. J'adore ces éditions. J'en suis complètement fan. Voilà pour ce qui est des classiques.
Et puis j'ai récupéré 2-3 bandes dessinées. Donc un exemplaire de Axtérix, la rose et le glaive. Donc bon, je ne présente pas Axtérix et Obélix, tout le monde connaît. J'avais adoré cet épisode, c'est un cadeau qu'on m'avait fait quand j'étais ado. Et c'est vrai que c'est une bande dessinée que j'ai lue plusieurs fois, que j'ai adoré. Et puis j'ai récupéré 2 BD de Titeuf. C'est mes grands-parents qui me les avaient achetés. Quand j'étais pareil, j'étais ado, même plus jeune, ouais, peut-être même plus jeune. Et en fait, j'aimais beaucoup cette bande dessinée, tout simplement parce que à l'époque, je regardais Titeuf tous les matins. Et puis mon petit frère m'a prêté un manga. Donc c'est Key and I. Le scénario est de Kevin Tran, le dessin de Fanny Antini, et c'est publié chez Michel Lafon. Voilà pour ce qu'il en est. C'est un manga qui appartient à mon petit frère. Il m'en parle à chaque fois et il me dit qu'il faut absolument que je le lise. Donc je vais le découvrir. Voilà pour ce qu'il en est de mes petites récupérations du jour. Je vous avais fait 2-3 planches juste avant. On ne voit pas grand chose, mais pour vous montrer un petit peu tous les vieux livres qu'il y avait. Et donc, niveau lecture, par contre, j'ai terminé le premier tome de London and Shea de Brittany Sechery. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le spin-off de Eleanor and Gray. Et au début, j'étais un peu perplexe parce qu'on est vraiment dans un monde beaucoup plus jeune, avec une écriture qui est un peu moins mature, mais ça correspond aussi à l'âge de nos protagonistes principaux. Donc, j'étais pas hyper emballée. Et puis, en fait... petit à petit, on apprend à rentrer dans la tête des personnages. Et la psychologie est tellement bien développée que l'émotion m'a happée. On va parler d'une thématique et d'un sujet qui sont très très forts, comme la dépression. On va parler de d'autres soucis qui touchent des gens jeunes et moins jeunes. On va parler de la famille, on va parler des sentiments. Et c'était d'une émotion, d'une beauté. La plume de Brittany, elle a su encore une fois m'enchanter. Les descriptions, elles nous immergent vraiment dans le quotidien de lycéens. Parce que à cette période-là, ils sont au lycée. Et c'est ce côté lycéen qui m'avait bloqué au début, mais qui finalement, en fait, ça m'est vite passé parce que... ces personnages, ils sont intenses, ils sont intéressants, on apprend à les connaître, on a une autre vision d'eux, on va vraiment au-delà des apparences. En soi, le récit n'est pas original, mais il y a une pédagogie qui est très importante. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir cette histoire. J'aime beaucoup retrouver d'autres personnages qui sont suggérés, j'aimerais les voir un peu plus intervenir, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et donc j'espère pouvoir me procurer le tome 2 assez rapidement pour lire la suite et découvrir le mot final de cette histoire. Voilà pour ce qu'il en est de mes petites récupérations, de mes petites lectures. J'en ai pas encore attaqué de nouvelles puisque je viens juste de terminer London and Shea. Je vais vous laisser pour ce vlog-ci. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous le dis à chaque fois, je prends un pied d'enfer à vous parler lecture, à vous répondre en commentaire, même si je réponds pas toujours immédiatement parce que la vie fait que je ne peux pas répondre tout de suite ou je n'ai pas envie de vous répondre à la va-vite. Quand je veux vous répondre, je vais prendre le temps de considérer tous vos petits commentaires, vos messages et... pouvoir échanger de manière assidue. Voilà pour ce qu'il en est. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.